Et salutations à toutes et à tous, vous êtes avec Tenpi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo. Celle-ci, je devais la sortir hier, mais avec la mise à jour d'octobre de Battlefield 1, j'ai pas du tout eu le temps. Et en plus, ils ont annoncé plein de choses à côté. Puis pour moi, YouTube, c'est un extra. J'aime bien prendre le temps de faire des vidéos. Et puis, je me considère pas du tout comme un YouTuber. Pour moi, c'est vraiment un extra, c'est un plaisir de faire des vidéos. Et quand j'ai le temps, donc du coup, j'en fais. J'en fais pas surtout. J'ai mon blog d'ailleurs qui couvre toutes les informations à propos de Battlefield 1, si ça vous intéresse. Donc tonynpc.com. Vous tapez ça dans Google, vous tomberez dessus directement. J'essaie de publier des articles régulièrement, en plus de quelques petites infos utiles sur mes réseaux sociaux de temps à autre. Et puis des streams aussi à l'occasion, ça m'arrive. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, vous avez sûrement remarqué, on est sur Star Wars Battlefront 2 bêta. Bêta que j'ai littéralement eu le temps de saigner, mais comme pas possible, j'étais dessus pratiquement tous les jours dès que j'avais un temps libre. J'ai enregistré énormément de parties, j'ai fait des captures, des cinématiques pour faire une vidéo qui j'espère vous plaira. Comme vous pouvez le voir, il y a des scènes qui sont accélérées du fait que la vidéo aurait duré trop longtemps sinon. Donc j'ai préféré accélérer la plupart des scènes. Bien sûr, la plupart des classes du jeu sont jouées dans cette vidéo. Là, pour ceux qui se demandent, on est en classe lourd, donc c'est heavy en anglais. H-E-A-V-Y. Et là, ce que vous avez pu voir, en fait, c'est la sulfateuse qui fait vraiment très mal. Si vous êtes bien placé, vous pouvez faire un carnage avec. Donc c'est une sulfateuse, c'est un talent que vous débloquez en appuyant sur E, tout simplement. Talent qui peut être changé par d'autres. Au fur et à mesure que vous montez les niveaux dans cette classe, en fait, ça va vous débloquer des talents, enfin des nouveaux talents, ou des améliorations des talents actuels que vous avez. Ces talents-là sont débloquables dans des sortes de battle packs, en fait. Battle packs qui sont très critiqués par certains joueurs de la communauté, en rétorquant que Star Wars Battlefront 2 est un jeu pay to win. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cas, vu que on peut acquérir toutes ces choses-là, que ce soit les armes, améliorations ou autres, sans les battle packs. En jouant, bien sûr. Que je trouve bien plus méritant que d'aller acheter un kit, en fait. Pour aller plus vite dans le jeu. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez acheter, personne ne vous l'empêche. Mais pour moi, je pense pas que ça va casser l'expérience globale du jeu. Hein. Si vous êtes un joueur qui a du talent, vous aurez toujours moyen de surprendre l'adversaire. Hein. Enfin, c'est en tout cas l'impression que le gameplay m'a donné. Regardez, là, j'ai sorti la sulfateuse. On va faire le ménage à l'entrée. Enfin, on a voulu faire le ménage à l'entrée, mais on s'est fait éclater. Là, je crois que je suis en classe assaut. J'ai ramassé un fusil dans une caisse, en fait, puis sniper qui permet, enfin, quand on arrive à viser, quand on arrive à le charger, qui permet de désactiver le bouclier de ce fameux mastodonte. Il y a des conducteurs dedans, mais on ne peut pas le piloter nous-mêmes. Et si votre équipe parvient à détruire ce mastodonte avant qu'il arrive au bout de la rue, eh bien, vous avez gagné la partie. Par contre, si les séparatistes arrivent à pusher le mastodonte, enfin, à pousser le mastodonte jusqu'au bout de l'avenue, eh bien, ils accèdent à une deuxième partie de la manche. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en éclaireur. C'est une classe que j'ai beaucoup appréciée. Bon, ça s'appelle pas vraiment éclaireur, ça s'appelle spécialiste, et il fait vraiment très très mal. On a une sorte de DMR laser et franchement ça fait mais un truc de psychopathe. J'ai kiffé cette classe, hein. Je m'en suis rendu compte bien trop tard, hélas, je l'ai joué très peu. Mais franchement elle est super OP et je pense qu'elle va être nerfée parce que quand vous appuyez sur eux en fait vous débloquez une mitraillette légère qui fait des rafales de 3 balles par 3 balles et franchement ça fait super mal. Bien sûr elle a une durée limitée d'utilisation. Mais par contre, si vous touchez un ennemi avant que la durée d'utilisation de l'objet se termine, eh bien, elle peut continuer à être utilisée. Elle se termine jamais, en fait. Si un ennemi est devant vous et que vous restez en vie, vous pouvez faire des massacres. Non, mais sincèrement, c'est quelque chose de complètement fou. Hein. Le jeu est franchement ouf. Bon, après, il y a des choses qui sont un peu abusées, on va dire, dans certaines classes, comme ce talent-là, qui seront revues d'ici à la sortie officielle du jeu. Là, on est toujours en assaut. On essaye de défendre l'entrée principale parce qu'ils ont réussi à, du coup, à pêcher le mastodonte au bout de l'avenue. Et les droïdes tentent de rentrer dans l'enceinte du temple. Temple qu'on doit défendre. Et si on ne défend pas, en fait, eh bien, ils arrivent à accéder aussi à une deuxième partie du temple. Donc qui est la dernière partie. Et la dernière partie du match qu'il faut à tout prix remporter. Sinon, les séparatistes remportent la game. Là, comme vous pouvez le voir, je suis revenu en classe spécialiste. Avec le fameux petit SMG qui fait vraiment très très mal. J'ai eu le temps de nettoyer un petit peu. Et il possède des jumelles, si vous avez choisi, qui sont capables de spotter les ennemis à travers les murs. Ah, c'est complètement fou. Hein. Après, on est dans le futur. Donc pourquoi pas. La détection qui rapporte 25 points à chaque fois qu'un ennemi détecté se fait abattre. J'ai pris la liberté d'accélérer certaines scènes parce que je pense que la vidéo aurait été trop longue sinon. Histoire que l'on passe plus rapidement sur les éléments qui sont moins importants. Mais qui sont utiles d'être évoqués tout de même. Là pareil, on essaie toujours de défendre l'entrée du temple. Qui est franchement assez abusée en termes d'affluence de joueurs. En termes d'action. Enfin, c'est assez fou. Donc je vous conseille de tenir le temple et de ne pas camper dans le fond de la map. Parce que ça servira à rien. Il faut toujours être au contact. Donc là on est dans un autre mode de jeu que je voulais aussi vous faire découvrir. Le but de ce mode de jeu est de capturer un paquet et de l'emmener à un point particulier, à l'image du DLC de Scarif dans Battlefront 1. C'est basique mais c'est un mode qui se joue à 24 joueurs 12 contre 12 et je trouve ça vraiment bien fait. Mais la map est assez petite donc les contacts sont très fréquents. Les réapparitions sont aussi très fréquentes. Il n'y a pas vraiment de système de squad. D'ailleurs c'est un point noir du jeu. Bon après on rappelle qu'on est dans une bêta. Quand vous spawnez en fait vous êtes avec d'autres joueurs.
Mais le problème, c'est que ces joueurs-là, vous les perdez rapidement, vu qu'ils ne sont pas marqués en tant que membres de la squad. Ils sont pas en vert, en fait, ils sont en bleu. Donc du coup, c'est dommage. On n'a pas trop tendance à jouer en groupe, en fait. On n'a pas de système de squad, ce qui serait bien sympathique. J'espère qu'ils vont régler ça d'ici à la sortie officielle du jeu. Voilà, c'est une bêta, je suis encore confiant. Je pense qu'aussi qu'il y a des éléments d'interface qui ne sont pas terminés. Comme dans Battlefield 1, vous vous rappelez que l'interface n'était pas exactement pareille pendant la bêta et à la sortie du jeu. Elle avait quelque peu évolué, quoi. Là, je suis toujours en heavy. J'ai vraiment adoré cette classe parce que je trouve que c'est une classe qui soutient beaucoup les autres joueurs. Et puis, on peut se servir des boucliers pour se mettre devant certains joueurs pour les protéger parce qu'il se trouve certaines classes qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Là, comme vous pouvez le voir, en heavy, en fait, j'ai 200 points de vie. Mais il y a d'autres classes qui possèdent moins de points de vie. Par exemple, comme le spécialiste qui possède 150 points de vie et l'officier qui possède 100 points de vie. Par contre, il a une tourelle. Et lui-même, l'officier ne possède que 100 points de vie, donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser sa tourelle. Donc c'est franchement très limité, donc je pense que la classe heavy lourde a un vrai potentiel dans ce jeu-là. Après, il serait intéressant de revoir certaines armes et certaines compétences, parce que franchement, elles sont vraiment très très puissantes. Il y a des choses qui sont vraiment très abusées pour ma part. Après, c'est une bêta, encore une fois, je me répète, mais on est sur une bêta. Donc il faut relativiser, il faut faire des retours à DICE pour leur dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'ils puissent ajuster cela d'ici à la sortie officielle du jeu. Là, comme on peut le voir, j'ai pas désactivé mon bouclier parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'ennemis autour. Du coup, j'ai préféré la jouer défensive. Donc quand vous avez le bouclier activé, comme ça, en fait, vous ne pouvez pas activer d'autres compétences. En fait, si, vous pouvez en activer, mais ça désactivera le bouclier qui est actif. Ce qui est dommage, si vous désactivez le bouclier, en fait, assurez-vous qu'il n'y ait personne autour. N'allez pas désactiver le bouclier s'il y a les ennemis autour. Il serait dommage d'en gaspiller un quand même, non? Sachant que le temps de recharge est franchement assez long, donc autant en profiter au maximum. Pareil pour la sulfateuse, le E, n'allez pas le sortir quand vous avez genre 10 ennemis en face de vous. Enfin si vous êtes à couvert. Mais le temps que l'animation se réalise et que la sulfateuse sorte de son étui, bien vous serez carrément mort si vous êtes à découvert. Quand vous la sortez, pensez à bien vous mettre à couvert, comme je vais le faire là dans quelques secondes. Je prends le temps de tuer cet ennemi-là, je recharge pour être sûr qu'il n'y en a pas l'autre. Et comme je sais qu'il y a des ennemis autour, du coup j'active la sulfateuse pour faire le nettoyage. Là j'ai eu l'assist, je l'ai pas tué, donc je l'ai fait très mal, j'ai eu l'assist. Puissant, et il n'y a pas de surchauffe cette arme-là. Hein. C'est jusqu'à que le timer, en fait, que la durée d'utilisation se termine, que vous pouvez l'utiliser. Il y a franchement moyen de faire du sale, les boucheries. Ouais, je crois que j'ai réussi à faire jusqu'à 6 éliminations avec la sulfateuse, une arme à utiliser sans modération, clairement. Après, il y a toujours moyen de le flank sur le côté, parce que quand vous avez la sulfateuse, en fait, vous êtes très vulnérable. Déjà, vous perdez en vitesse de mouvement, et donc les ennemis ont carrément le temps de vous contourner. Alors pensez à jouer à la sulfateuse de manière intelligente pour ne pas mourir bêtement. Après, ce ne sont pas les seuls avantages de la classe. Moi, j'ai choisi les avantages de base, vu que je les trouve assez intéressants. Et puis, j'ai envie d'attendre la sortie officielle du jeu pour découvrir les autres avantages. J'ai pas trop envie de me spoil pendant la bêta, de tout savoir en fait. Puis, j'ai aussi envie de garder une petite part de mystère. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, ça me permet aussi de ne pas tout vous montrer dans la vidéo. Histoire que vous puissiez aussi découvrir certaines choses si vous faites l'acquisition du jeu, quoi. Donc, c'est une carte qui se joue en forêt. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je crois pas que ce soit la forêt d'Andorre. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça l'est. Je me rappelle plus exactement du nom des maps, parce que c'était en anglais, et puis j'ai pas vraiment retenu le nom des maps. J'avais vraiment envie de jouer pour le coup. Donc j'ai pas mal saigné le jeu, pour être honnête, et tous les modes de jeu. Un peu moins le mode... Par contre, j'ai un peu moins saigné le mode Bataille Galactique, parce que je le trouve un peu compliqué, contrairement à Battlefield. Les vaisseaux à piloter sont assez complexes à piloter. Je pense que c'est psychologique, hein. Moi j'arrive pas à piloter, enfin j'arrive pas. J'arrive à les piloter, mais même en mettant la sensibilité au plus bas, je trouve que la sensibilité est très élevée. Après, c'est sûrement l'univers de Star Wars qui fait que, mais pour ma part, je trouve ça assez compliqué à piloter. Donc du coup, j'ai pas trop fait de bataille galactique, bien que j'y ai joué. Un autre point important dans le jeu, que vous devez savoir, contrairement à Battlefield, vous n'avez pas de soigneur ici, vous n'avez pas de réanimation. Il y a des talents, j'ai vu, qui ajoutent de la vie, ou de l'armure, on va dire. Mais c'est temporaire, donc ça part au bout d'un moment. Enfin, s'il y a des soins, dans certaines classes, vous pouvez activer une spécialisation, en fait, qui vous débloquera un soin temporaire, en fait. Donc un soin temporaire qui est sur la durée, et qui a un temps de recharge pour être réutilisé, tout simplement. Donc toutes ces compétences-là peuvent être améliorées. Je crois qu'il y a 5 paliers pour chaque compétence, et donc les améliorations permettent de réduire le temps ou d'améliorer l'effet de la compétence choisie. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en bataille galactique dans l'espace. Donc oui, il y aura des batailles galactiques à la sortie du jeu, contrairement à Star Wars Battlefront 1, où il a fallu attendre la sortie de l'étoile de la mort ou l'étoile noire du DLC pour y accéder. Donc là, contrairement à Battlefront, en fait, je trouve que le jeu est beaucoup mieux fini en termes de batailles galactiques. On a des meilleures sensations. On est aussi 2 ans plus tard avec un moteur Frostbite qui est un peu plus évolué, on va dire, avec des textures plus belles, et une fluidité aussi un peu plus grande, bien sûr. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, je joue l'Empire, et on doit détruire des cargos qui doivent se rendre à un certain point. Et si on arrive à les détruire, en fait, ben, on gagne des points, tout simplement.
Je connais pas exactement les règles du mode de jeu, je ne m'y suis pas trop intéressé, j'ai plutôt voulu jouer les objectifs qui étaient proposés dans la game, mais je n'ai pas consulté les règles exactes du mode de jeu. Encore une fois, je ne voulais pas me spoiler totalement, j'ai envie de découvrir certaines choses à la sortie du jeu, donc j'y suis allé un peu à l'aveugle, on va dire, sur certaines choses. Donc là, je suis avec un bomber en fait qui permet de dropper des bombes et envoyer des missiles qui font très très mal. Ça drop des missiles et des bombes, produisent énormément de dégâts et spécialement au cargo. Là j'ai essayé de faire un petit Yamakasi en passant le hangar, mais je vais pas trop vite parce que je sais que si j'accélère je vais me planter. C'est vraiment très dur à contrôler hein. Là je suis en sensibilité, je dois être à 5 sur 100, je sais pas si vous imaginez. Par contre ma souris je crois qu'elle a 1400 DPI. Mais bon je suis habitué à jouer comme ça donc du coup je l'ai pas trop touché. J'ai préféré la laisser comme ça tout simplement. Donc finalement on a réussi à sortir du hangar, bonne nouvelle. On va essayer de désinguer un petit monsieur qui s'est fait éclater avant hélas. J'aurais bien aimé avoir le kill mais bon, j'ai pas assez fait de points de dégâts pour l'avoir. Peut-être celui-là, et oui, élimination assistée. Ce qu'il faut savoir est qu'il existe deux sortes d'élimination assistée. Vous avez élimination assistée si vous avez fait un petit peu de dégâts à l'ennemi et vous avez élimination assistée qui compte pour un kill. Comme dans Battlefield 1. Si vous parvenez à réaliser une élimination assistée qui compte pour un kill, cette élimination s'ajoutera à votre fiche de score. Et vous aurez aussi bien plus de points. A l'instar du mode en infanterie, dans ce mode-là, vous pouvez débloquer des vaisseaux spéciaux. Donc vaisseaux spéciaux, je crois qu'il y a des vaisseaux de héros en fait, que vous pouvez piloter avec des capacités spéciales et qui sont plus solides, etc. Donc c'est franchement un très bon mode, mais pour moi c'est pas celui que je prévois de jouer le plus. Parce que oui, j'ai précommandé le jeu, et vous allez vous dire, sérieux Tony, t'as précommandé le jeu, mais pourquoi aussitôt hein? Eh bien je vais vous répondre pourquoi en fait, parce que je suis un fan de Star Wars tout simplement. J'ai aussi précommandé au plein pot sur Origin. L'édition Deluxe, la plus chère à 70€. Bah non, je suis pas riche, hein. C'est parce que je suis vraiment passionné. Donc là, ce que vous pouvez voir en accéléré dans le fond, en fait, c'est le système de Battle Pack. Donc un Battle Pack coûte 1100 unités. Vous pouvez choisir parmi 3 sortes de Battle Pack à acheter. L'un pour l'infanterie, l'autre pour les batailles galactiques, et ainsi de suite. Sachant que vous avez un Battle Pack journalier qui vous est offert. Donc si vous connectez chaque jour, en fait, vous pourrez obtenir un Battle Pack par jour. Donc c'est pas dégueulasse, franchement. Puis vous pourrez en obtenir d'autres en débloquant des unités pour en acheter tout simplement. Donc pour rappel, un battle pack coûte 1100 unités. Après je crois qu'il y a des battle packs un peu plus chers. Là ce que vous pouvez voir en fait maintenant c'est les rewards. Rewards qui demandent de compléter des quêtes particulières. Et ensuite qui vont gagner donc des unités pour acheter des battle packs. Donc là ce que je vous montre ensuite c'est le système de spécialisation et compétences que vous pouvez débloquer pour chaque unité du jeu. Que ce soit les héros, pour l'infanterie, pour les vaisseaux, pour tout. Vous avez des spécialisations pour tout et elles sont vraiment très très variées. Hein. Pour les Jedi, pour les Sith, pour les héros, vous avez aussi toute une gamme de spécialisations à débloquer. Donc spécialisations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans le premier Battlefront, sauf qu'elles ont été un peu modifiées et aussi un peu plus diversifiées. Vous avez plus de possibilités en fait au niveau de certaines spécialisations, parce qu'il y a aussi bien plus de spécialisations que Battlefront 1, comme je vous le disais précédemment. Donc ouais, je crois que j'ai pris un peu la main au pilotage des vaisseaux spatiaux. C'est assez compliqué. J'ai compris un peu le coup de main en ralentissant beaucoup. On réussit à avoir une stabilité assez potable. Mais si vous allez à fond les manettes, vous n'arriverez pas à viser parce que vous irez beaucoup trop vite. Là, j'ai aussi un peu joué du côté des séparatistes pour voir un peu comment la faction des droïdes s'en sortait. Et franchement, c'est pas mal du tout de jouer de ce côté-là. C'est de l'attaque, donc vous devez coûte que coûte accéder au temple pour tenter de remporter le match. Là comme vous pouvez le voir je suis en spécialiste. J'ai activé mon petit SMG qui est vraiment cheaté. Je trouve ça vraiment très abusé comme arme. Là la roue se termine parce que je trouve pas d'ennemis à shooter tout simplement. Et bon c'est pas très grave. Et là je me fais paralyser. Mais il y a un petit QTE vous pouvez désactiver. En appuyant sur G plusieurs fois en fait vous pouvez désactiver la paralysie de l'électricité. Paralysie qui me semble un peu plus importante sur les droïdes vu que c'est des robots. Que sur l'infanterie humaine. C'est peut-être psychologique, peut-être que je me trompe, je sais pas. Il serait logique que les bombes à détonation électrique produisent un malus plus important sur les droïdes que sur les humains. Une classe spécialiste que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai beaucoup joué. Parce que je trouve que c'est une classe qui est très très intéressante, qui permet de tirer à très longue distance tout en gardant une précision. Par contre, très peu de points de vie, comme vous pouvez le voir. On n'est pas sur du heavy qui possède 200 points de vie, plus un bouclier, plus une mitrailleuse lourde, plus une sulfateuse. Et d'autres talents si vous souhaitez en débloquer bien sûr. Mais bon, vous ne pourrez pas avoir plus de 3 talents. C'est 3 talents par classe et ça se résume à ça. Et il n'y a pas d'ultime. Hein. On n'est pas dans Overwatch ou dans League of Legends ici. Hein. Là, je suis en assaut. En assaut, avec la touche E, on peut activer un fusil à pompe. Qui permet de donner une petite accélération sympathique. Et qui one-shot.
Si vous arrivez derrière un ennemi avec le fusil à pompe activé et que vous le touchez, bah c'est du one shot. Il aura pas le temps de zero, en fait il sera déjà mort. Donc là je suis retourné en heavy, ce qu'il fallait un heavy pour pêcher. Et le bouclier franchement très worth it. Je sais pas combien de points de vie là par contre. Je pense que c'est quelque chose à hauteur de 100 points d'armure en plus, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être, mais c'est l'impression, encore une fois, que j'ai eu en jeu. Bouclier défensif est très intéressant, mais bon il faut faire assez attention à l'activer au bon moment, parce que ça va très très vite. Hein. Si votre ennemi il active avant vous, vous aurez quand même de fortes chances de vous faire éclater la tronche. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé les animations et les voix des petits droïdes. Comme dans Star Wars, ils disent « Roger, Roger ». DICE a réussi à garder le petit côté humour de Star Wars. On va pas dire que c'est humour, le petit côté décalé de Star Wars qui nous fait sourire parfois dans les films. Petit détail que j'espère on retrouvera dans la campagne. Parce que oui, comparativement à Battlefront 1, il y a bien une campagne solo avec une histoire. Après, est-ce que ça va être des petits épisodes comme Battlefield 1 ou une vraie histoire sur le long terme? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, moi, ça me dérangeait pas de jouer des petites histoires. Ça permet de se fondre dans plusieurs personnages et dans plusieurs univers. Comme dans Battlefield 1, il y avait une partie aviateur, il y avait une partie char, une partie infanterie. Il y avait plusieurs parties en fait qui nous permettaient d'appréhender le jeu pour se préparer au multijoueur. Donc j'aimerais bien aussi reproduire ça dans le solo, dans la campagne solo de Star Wars Battlefront 2. Et voilà, on se retrouve encore en Heavy, la classe que j'ai vraiment mais saigné comme pas possible avec le spécialiste. Je crois que c'est les classes qui ont été... Ils ont pas fait d'infographie DICE sur leur compte IS Star Wars, mais je pense que c'est les deux classes qui ont été le plus jouées de la bêta, parce qu'on en voyait partout. On en voyait partout, c'est des classes qui sont très bonnes à jouer et qui permettent de flanquer les joueurs, mais assez follement. Hein. Et puis les compétences proposées sont encore une fois très très intéressantes. Le bouclier, la sulfateuse, la grenade, tout cela peut être changé pour autre chose. Encore une fois, je n'ai pas été fouiné dans les talents pour voir quoi faisait quoi exactement, parce que j'avais pas envie de tout me spoil et j'ai aussi envie de garder une part de mystère, comme je vous le disais au début de la vidéo, pour la sortie du jeu, tout simplement. Là, on a réussi à pêcher le temple, on est rentré dans le temple pour essayer de tenter de faire le ménage, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est une partie qui se jouait à 20 contre 20. Je pense que c'est le mode de jeu adéquat. Je pense pas qu'il y ait besoin de 32 contre 32 ici. Je pense que du 20 contre 20, c'est taillé pour du 20 contre 20. C'est optimisé pour du 20 contre 20. Il y aura peut-être des modes à 30 contre 30 ou 50 contre 50, je n'en sais rien. On verra bien à la sortie du jeu. Mais les modes disponibles pendant la bêta, en fait, c'est du 20 contre 20 en infanterie. En vaisseau, je crois que c'est du 24 joueurs. Ma part, je trouve que c'était assez bien optimisé. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus de joueurs parce qu'il y a assez de contacts. Contrairement à un Battlefield en conquête où l'on a vraiment besoin de 32 joueurs contre 32 joueurs sur certaines cartes. Après, je ne veux pas trop m'avancer, je ne connais pas la taille et l'architecture des autres cartes. Donc peut-être que d'autres cartes seront en 30 contre 30 ou même 50 contre 50 comme je l'ai supposé auparavant. Hein. Après, je me trompe peut-être bien sûr, n'allez pas croire tout ce que je suis en train de dire. Je fais que des suppositions. Là, comme vous pouvez le voir au niveau de la barre des points de vie, j'ai fait pas loin de 3K points et franchement, je vais me gaver. Je vais prendre un héros après. Je vais prendre un super héros qui s'appelle Boba Fett. Et on va essayer de faire le ménage pour terminer cette game. Et en plus, il y a Dark Maul avec moi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va pouvoir faire le ménage. Je vais pouvoir faire de l'assist. Et je vais pouvoir m'amuser. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et à commenter, bien sûr. Je vous laisse sur deux petites outros que j'ai concoctées pour le plaisir de vos yeux. J'espère que vous apprécierez. A bientôt sur ma chaîne.